on a participé à cette épreuve en 2009 et en 2012, Iris Conseil a souhaité que ses équipes participent une nouvelle fois au Trophée des entreprises. C'est l'occasion pour elles de faire valoir leur dynamisme et surtout de partager un moment de convivialité pour renforcer l'esprit d'équipe à l'extérieur de l'entreprise. Par nos métiers engagés dans une démarche éco-responsable et environnementale et vraiment faire un défi nature pour nous, c'est le cœur de notre activité. Ça va fédérer l'esprit d'équipe et il y aura un dynamisme réel et un bon souvenir aussi. Donc par une course à pied où un premier relégueur est parti, donc c'est Romain. Mylène et moi on suivait derrière, un peu moins vite faut le dire, parce que Romain est parti comme un fou. Après, il est allé sur le parc vélo, il a cherché son vélo 30 secondes puisqu'on l'avait déplacé, donc ça c'est sûrement un coup d'égis. Enfin, on n'est pas sûr mais on a de fortes présomptions. Donc à la suite du relais à 1,5 km de VTT, on a fait 3 km de course d'orientation. Là je menais avec la carte, j'ai indiqué à mes collègues, mes compagnons de course, où est-ce qu'il fallait pointer, donc trouver les différentes balises. En 3, ouais, c'est ça. Et après, à la suite de ces 3 km de course d'orientation, on a fait 3 km de canoë et là on a trimé. On n'avançait pas, on tournait en rond parce qu'on n'était pas dans le rythme. Mais après on a retrouvé notre rythme à 3 et c'était ok, on a fini. Les sourires, les rires et puis les coups de gueule des fois par moment. Mais sinon voilà, on était groupés, il y avait un esprit de groupe dans l'épreuve. Ça a permis de mieux se connaître et puis ça a permis de se rapprocher. Oui, on a quand même souffert pendant 1h15 tous les trois. Donc c'est sympa.